Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Polquin des AccessoiresSpider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui, dans la vidéo, je voulais vous montrer la différence sur les grilles avant. À côté de moi ici, j'ai deux Can-Am Spider, c'est des 2021 RT Limité, c'est des blancs craie et on a fait une petite différence, une petite touche de couleur sur un des Spider. Je voulais vous montrer l'impact visuel que ça peut avoir. Fait qu'habituellement, on fait les grilles là, dans le blanc craie. Les gens vont mettre leurs lettres noires, pareil comme sur le Spider ici. Et puis là, il y a un client qui m'a dit « Pierre, moi j'aime bien gros le rouge. As-tu quelque chose dans le rouge? » J'ai dit « Ben oui. » Fait que là, on a mis les lettres en rouge Marsala. Fait qu'on a fait la même chose, là, les lettres pour le RT, pour le Spider. Et puis après ça, ben, on a fait l'installation de collets. Ben, juste avant de vous parler des collets, je vais vous montrer qu'on a fait une reprise là, du rouge Marsala ici. Un beau petit logo RT là. Et sur le Spider ici, ben, on l'a mis blanc. Fait que des fois, c'est le fun de juste avoir une petite différence, une petite touche personnelle. Puis le monsieur, il voulait qu'on fasse l'installation de collets de Baharon, qu'on en fait une tonne, merci beaucoup. Fait que sur le Spider ici, on les a mis noirs, comme vous pouvez voir. Bon. Et le client me dit, ben Pierre, t'es as-tu dans le rouge pour matcher avec mes lettres? J'ai dit, ben oui, on a ça! Fait qu'on a fait les collets en rouge. Fait juste une façon là, de personnaliser Spider au goût du client. Je peux vous montrer un autre là, avant et après. Fait que si on regarde le Spider qui est ici, on n'a pas de support à bagages sur le coffre en arrière. Et ici, vous en avez un. Sur les haut-parleurs en arrière, vous pouvez voir, là, il y a beaucoup de noir ici, là, souvent très graffiné. Et on peut mettre ça en blanc comme qu'on a fait sur celui-là ici. Il y a un kit de 3 pièces par côté. On a ajouté un Spider Rider sur la valise ici. En noir, bien sûr. On en a mis un autre juste là. On aurait pu le mettre en rouge ici si le client en aurait voulu. Mais là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque Spider de façon individuelle et je vais faire une vidéo pour vous montrer tous les accessoires qu'on a mis. De plus en plus, on a des petites touches personnalisées qu'on peut faire sur votre Can-Am Spider. Au dernier compte, je pense qu'on frôlait là, le 500 pièces disponibles chez lesaccessoiresspider.com. Alors, encore une fois, je vous dis merci beaucoup de nous encourager. Laissez un commentaire, s'il vous plaît, dans la vidéo, si c'est possible. On apprécie d'avoir du feedback de votre part, des commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et frappez la petite cloche pour avoir les notifications. Tout le kit pour avoir les dernières nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, les amis. Venez nous voir au Spider Shop. Merci beaucoup tout le monde. Bye!